Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous venez de soutenir pendant une heure la confrontation avec Daniel Cohen dans un débat très intéressant au Biotech Idéal qui a quasiment fait l'unanimité autour de nous. Pour conclure et pour le site hors-norme.fr, je voudrais que vous nous expliquiez et que vous nous confortiez dans cette idée qu'on a. On est presque en train de se dire, enfin, une nouvelle parole économique est en train de surgir. On sort de l'aspect complètement univoque de tout ce qu'on a entendu depuis 3 décennies pour faire court. Est-ce qu'il y aura de plus en plus de Thomas Porcher dans l'avenir? Oui, il y en a beaucoup. Déjà, les économistes atterrés, hein, vous voyez souvent David Kaila, Henri Sterdignac, qui sont dans les médias, ils portent une parole. Il y a énormément, en réalité, d'économistes hétérodoxes. Le problème, c'est que certains ont voulu bouder les médias à un moment. Et donc, ils touchaient un certain nombre de militants, mais ils ne touchaient pas énormément de monde. Et puis aussi, parce que il faut toujours savoir qu'en économie, en réalité, vous avez autant d'hétérodoxes que d'orthodoxes, sauf que certains ont essayé de prendre le pouvoir en écrasant une autre partie des économistes. Mais la réalité, c'est que la science économique est une science plurielle, et il faut l'admettre. Donc, moi, j'espère qu'on entendra de plus en plus d'hétérodoxes dans les médias pour donner l'impression aux gens qu'il n'y a pas qu'un seul avenir, mais d'autres avenirs possibles. Daniel Cohen expliquait tout à l'heure, tout à fait brillamment, on n'a pas eu le temps de creuser ça en plateau parce que le temps était compté, il expliquait brillamment tout à l'heure que les scientifiques économiques, vous êtes docteur en économie, ont du mal à parler de l'instant présent. Ils analysent avec pertinence, et la science économique du coup analyse avec pertinence ce qui a pu se passer, mais dans l'instant, et en termes de prospection, alors là j'en parle même pas, ça devient tout à coup très difficile. Oui, c'est vrai que bon, on a toujours, pour tout le monde je crois, que dans tout, on a toujours plus de facilité à analyser le passé que de prévoir le futur, mais même là-dessus j'ai un petit point de désaccord avec Daniel Cohen, même sur le passé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes analyses en économie, c'est ça qui est grave. Certains vont vous dire que les États-Unis sont développés grâce au protectionnisme, et d'autres vous disent qu'ils sont développés malgré le protectionnisme. Donc vous voyez, le protectionnisme dans le développement des États-Unis, certains disent que ça a été un moteur, d'autres disent que ça a été un frein, mais que les États-Unis se sont quand même développés grâce à ça. Donc sur les analyses, en réalité, y compris même sur le passé, il y a des points de désaccord sur les économistes. Vous savez, il y avait un président américain qui disait « Donnez-moi un économiste manchot, parce que j'en ai marre d'avoir les économistes qui vous disent « in one hand » et puis l'autre vous dit « in other hand ». Et bien, c'est ça la différence. En même temps. Voilà. Et non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous avez une réforme en économie, la seule question qu'il faut se poser, c'est à qui elle profite. Si elle profite, vous voulez bloquer les loyers, ben, vous êtes plutôt du côté des locataires. Et bien là, vous allez être l'économiste qui défend les locataires parce que vous dites bloquer les loyers, c'est bien pour les locataires. Mais si vous êtes du côté des propriétaires, l'économiste des propriétaires, ben là, vous allez dire non, c'est pas bien de bloquer les loyers. Donc la vraie question dans une réforme économique, c'est pas de se dire qui a raison ou tort, mais c'est de se dire à qui profite cette réforme. Pour terminer, Thomas, la France est un des derniers pays, peut-être même le dernier, où existe encore une politique sociale, on va dire cela comme ça, une redistribution loin des excès non distributifs des États-Unis, de l'Angleterre, des pays anglo-saxons en règle générale. Mais un nouveau président est élu il y a 18 mois. On sait que de plus en plus de contraintes existent sur l'argent public, ce qui va y avoir de moins en moins d'impôts. C'est une volonté affirmée. Comment ça va tourner dans notre pays? Est-ce que la France est capable d'encaisser encore beaucoup dans ce domaine? Moi, ce qui m'étonne, c'est que tous les pays qui ont libéralisé massivement ont mis à leur tête aux élections des populistes. Trump, les États-Unis, hein, le capitalisme Reagan, Thatcher, le Brexit, aujourd'hui l'Italie avec le Super Job Act de Renzi, dont Emmanuel Macron n'arrêtait pas de dire des louanges. Et on voit que vous avez des extrêmes qui se sont rejoints. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on s'empresse, en faisant les mêmes politiques économiques que ces pays-là, à créer finalement un tapis rouge pour les populistes. Et ça, moi, nous avons un modèle social qui nous a protégés jusqu'à aujourd'hui des populistes, qui a protégé une grosse partie des populations les plus fragiles, mais pas énormément non plus, mais qui les a plus protégés que dans d'autres pays. Et nous, on s'emprunce à détruire ce modèle social pour créer justement les conditions idéales pour que dans 5 ans ou 10 ans, on ait des populistes au pouvoir, des extrêmes au pouvoir qui pourraient être dangereux. Donc ça, moi, qui m'étonne, c'est qu'Emmanuel Macron, en réalité, c'est pas la solution aux populistes ou aux xénophobes, etc. C'est en réalité le facteur qui va créer plus tard la montée au pouvoir et faciliter la montée au pouvoir de ces populistes. Mon petit doigt me dit qu'on va se revoir bientôt sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup.